On se retrouve aujourd'hui pour mon dernier look d'Halloween. Et pas des moindres puisque je termine en beauté avec le vampire, et oui. Alors ce vampire j'ai voulu faire vraiment sexy, glam, mais quand même un peu sanglant, hein. On reste dans la thématique du vampire. Et je suis plutôt contente du look, je pense que j'aurais pu faire autrement, mais en fait j'aime pas mal. Je trouve que le look des yeux va bien avec les cheveux, et que la bouche rappelle vraiment le côté vampire. Pour ce look j'ai aussi sorti le grand jeu puisque j'ai mis des faux ongles, je trouve que ça va vraiment bien ensemble, je suis vraiment pas déçue. Bref, je vais arrêter de parler et je vous laisse avec le tuto.
dernière vidéo d'Halloween est terminée. Je suis vraiment contente du dernier look et de la série globalement. Je suis trop contente d'avoir fait ça cette année. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je recommence l'année prochaine. Concernant avec le look lui-même, on va commencer avec le piercing au niveau du nez. C'est un faux piercing et il y en a des disponibles sur Amazon. Vous tapez faux piercing et vous tombez sur des anneaux comme ça qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Concernant les faux ongles, je les ai eu aussi sur Amazon. Pour toutes les perruques, je vous aurais mis pareil les références, mais c'est toujours sur Amazon. Elles coûtent entre 20 et 25 euros, donc pour la qualité que c'est, moi je trouve ça pas mal. Et pour le faux sang, c'est un truc dans les boutiques où ils vendent des déguisements et tout, même solderie, franchement ça se trouve hyper facile. Après c'est vrai qu'on peut jouer sur différentes textures, moi j'ai choisi celle-là, c'est pas mal pour faire des éclaboussures, mais si vous préférez quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus liquide, il existe aussi. Par contre si vous utilisez ce faux sang-là, je sais pas si c'est pareil pour les autres, mais il sèche et au bout d'un moment ça fait des petites espèces de petites croûtes qui s'enlèvent, donc c'est pas très esthétique, mais suffit d'en remettre. Bref, il est temps pour moi de vous dire au revoir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura inspiré, que toute cette série vous aura inspiré. N'oubliez pas le commentaire, le pouce en l'air, et moi je vous souhaite un joyeux Halloween.